Mbral ka fwè Dani. Mbral pa yon pima. Ou ban zombi yo yo yo. Kondi a le ban zombi vini nan. O la kayo. O toune poussye. Kite tombo. Ma blanchi tombo, brave de dévonge qui dit. Quoi c'est beau? Quoi si j'ai raison? Où qu'on ait raison? Il va où la gagne? Il vous tombe à mon ami. J'ai des niveaux qui étaient là, oui. Brave là où même devant ça, moi c'est quoi non guédé? T'es quitté, c'est pour via. Ya, y me devia, c'est la vie n'a pas. Toute nation n'est là. Gangan pem, gangan kan moi. Et toute la nation est là. Ma face avec toi. Et bien frère. C'est travail yo. Émission ba yo. Yo là, yo pote yo. Oui. Yo aide, m'aide moun. Moi m'se aide, m'aide yo. Mise m'pou kont mwen. Et puis tout jour m'ba bon. Et comme ça, m'ba pote kwa Jésus Christ. Qui vous mouille mal pour croyez y même dit que vous voulez dire ma vie de vie parce que j'aime à la grand pile pour me faire moi grand pile pour me faire corner pour la Croatie, pour le corner pour le côté, pour le corner lui-même, l'hypoco et le canap qui est allé, et on repousse de la nouveau Inter, votre la défense, irlandaise de football, son passant pour me dire attention, et on frappe, ballon passé à côté, sur la défense irlandaise, attention pour attirer le ballon à nouveau, attention, on frappe, repoussez ma chaîne qui vient, mais gardez-vous, très fort. On est un peuple avec une culture multidimensionnelle et ce n'est pas par hasard. On est des Africains, on est des Espagnols, on est des Français, on est très mélangés. On est très mélangés et c'est pour ça que le peuple haïtien demeure justement un peuple et difficile à comprendre, un peuple magique. On est un peuple magique avec une force culturelle hors du commun. On a un système extrêmement puissant au plan de la créativité et au plan de l'imaginaire. On ne voit pas qu'on est dans un pays qui dispose d'une culture et qui a besoin d'être soutenu. Donc il faut que la reconstruction fasse appel d'abord aux Haïtiens. Construction qui ne mettent pas en avant la question de la culture, bien c'est une reconstruction qui vise l'extinction du peuple et de la nation haïtienne.
Hey, the U.S. Congress does not vote a foreign assistance budget, as you know very well, nor does the United Nations, in order to help Haiti. They do it to generate business for their own enterprises and to generate employment for people like me and for other functionaries who work within the system. It's an institution. It's not focused on bettering Haiti. I don't think we can change that. I don't think that we can change that from here. But if there are some changes that might help here, that has to do with changing the way that Haitians themselves run their country and think about their country, and then arriving at a point where Haitians are able to say, look, you want to do something in my country? Let's talk about it. Not, you want to do something in my country, how much money are you willing to spend? It's two different things. Alors, tu ne peux pas débarquer dans ce pays face à ce peuple hors du commun et puis tu penses pouvoir imposer ta représentation et puis tout bonnement, et puis tu penses que ça va marcher. Et c'est ce qui est arrivé tout de suite après le tremblement de terre. C'est que les gens, ils ont beau essayer, ils ont de l'argent, ils ont dépensé l'argent comme un fou, et ils s'en foutaient pas mal de la présence de l'État haïtien, et puis ils n'ont pas résolu les problèmes de la population. Pays au prix, on va faire ça, vous voulez. Tout ça, vous voulez agir, vous pouvez apprêter quand même. Et bon, l'État va être fini. Je dis, il y a tant l'État. Mais qui l'État? Est-ce qu'il y a un pays qui a l'État? Là, je dis ça. Et bon, je dis seulement que je vais dans le pays d'Haïti. Et bon, je fais travailler là, quand même. I think this country, while it has excelled at its own self-destruction with great encouragement from others, when I came here and I met journalists who had been in every conflict zone in the world and every hopeful African nation, looking at the smiling, beautiful faces, we don't have to know why, but all of them and all the people who have worked throughout the world in international aid say if they had to pick a place that had a special magic, it's here. We come in, you know, foreigners come in as part of the NGO industry with an ideology that we're here to help and that the process helps. And a lot of us, we're sincere, especially early on, because we have objectives that we all agree on. Helping hungry children, curing disease, you know, lowering infant mortality rates as high as 15%. So this is what wins everybody over, and this is what makes people believe, well, how could it be wrong? How could it be bad? Quand tu as eu une oligarchie qui a passé plus d'une centaine d'années avec le monopole économique en main dans ce pays, et puis le tremblement de terre vient changer les donnes, ça pose problème aussi. Parce que c'est une oligarchie qui n'accepte pas de compétitivité, de compétition. Avec l'ampleur de la catastrophe, là, tu as quand même, et je dirais, d'autres firmes, d'autres compagnies qui arrivent dans le pays, et ça fait peur. On est à Mont Calvaire, à la rue Pouget, et on va visiter cette maison. Vraiment, c'est superbe. Maintenant, on va au deuxième étage. Et on ne se sent pas vraiment en danger. Parce que le toit au-dessus des chambres est en bois. Ce n'est pas en béton. Et la toilette est très grande. Il y a un jacuzzi avec les herbes tout autour, vraiment.
Et il y a aussi moyen de s'isoler dans la douche, il y a la porte vitrée. Pour rentrer dans la maison, il y a une porte à fer forgé, un bruit pivotante qu'on peut tourner ou fermer comme on veut. Il y a des grillages comme ça partout dans la maison. Yeah, there's more evil people in the pipeline, businessmen. You call them evil or not, their job is to make money. So they do everything they can to make money. And a lot of those people understand very well the impact of what they're doing. But it's not important. That's not what they're focused on. Everybody's trying to do their job as best they can. And those guys, I'm sure they have their own logic. Is not easy. You can't just go around and point fingers at somebody because of how much money they make and because of who, where they come from and who they are and say, oh, this one's good, this one's bad. This is the mistake of populism. Plenty of rocks in the water, even though they're not suffering, they try to relieve other people's suffering. And there are plenty of rocks in the sun, even though they're suffering, they're trying to make other people suffer too. Avant, c'était la dictature. François Duvalier, c'est un diable psychopathologique, ça c'est clair. Quelqu'un qui était vraiment bouleversé par le pouvoir, qui avait tué pas mal des parents de la bourgeoisie, qui avait mis une grande partie de la bourgeoisie en exil. In fact, in a way, the whole NGO industry moved into the vacuum. It was created by this massive exodus of people. Because the people there, they're not from there. There's no investment in Haiti anymore. Because the people who are in a position to do anything about it, they're gone. They're working for us. They're back in the United States, and Canada, and France, and they're great workers. They made a great contribution to our system. And that's left a huge vacuum in Haiti. It's almost like a lobotomy, you know? Systemic lobotomy. They've taken out not only the intelligentsia, but the connections, you know, the middle class. On constate très clairement qu'il y a beaucoup plus de richesses qui sortent des pays du Sud qui vont vers le Nord, et c'est aussi le cas d'Haïti. On peut très facilement mesurer qu'il y a une richesse considérable, il y a des valeurs qui sortent du pays et qui ne sont pas du tout compensées par ce qu'on appelle l'aide internationale. One of the things that we've noticed is that while many in the elite classes, and I'm careful to say not all, but many, would perceive the poor people as a highly dependent culture. I think that if you really look at the mathematics of what's happened in this country, there are no people that I'm aware of more dependent than the elite classes. Dependent on a history of unfair trade policies that have been able to be exploited by a few and suffered by many. And it goes on, those kind of disconnects. And as a result, you're really talking about two cultures way beyond just socioeconomic culture. Les élites refusent de s'identifier à la culture nationale. La plupart des élites s'identifient à autre chose et n'acceptent pas les repères de la culture nationale. Donc il y a même un rejet de cette culture nationale et ce clivage, disons, entre la société formelle
la société structurée autour des institutions officielles, etc. Et le vécu de la population est un clivage énorme. Haiti has an extraordinarily small experience with comfort, an extraordinarily historic experience with pride and courage. Front National est une zone côté qui gagne bandit. Toutes sortes de bandits et puis nous-mêmes tout qui finit qui apprend un bagage nous pas qu'à travailler avec parce que depuis nous mettez nous habiter Front National, c'est déjà allé. C'est chaud. Oui, c'est une zone rouge. Et bandit oui et tout. Qui tout fille ou garçon ou petit monde, depuis Front National et bandit oui. Si vous regardez cette zone-là, c'est une zone qui est totalement dévastée, finie. Écrasée 2 ans après le tremblement de terre, ce n'est pas normal pour nous continuer à vivre comme ça. Là. Léo passé, il y a toujours une ville qui a appelé les gens. Bon, quand on est contre la minorité, est-ce qu'il y a des cas, regardez contre la minorité. La zone a toujours plein de gens. Côté minorité, imaginez, côté tout le monde, ça va vivre. Ce n'est pas que l'aide financière, nous avons besoin, non. Nous avons besoin d'aide matérielle. Si on a des cailles pour nous, on a mis l'hôpital pour nous. Pour nous faire, si on ne peut pas le faire, on peut nous aider matériellement. Nous même nous avons des boss, nous avons des ingénieurs ici, des médecins, tout le monde ça, on a construit et nous même nous travaillons. On a des matériels, on a promis des zones. Jean que nous commençons à faire au niveau de la culture, Jean où nous faisons avec Rara, Jean un pile d'autres bases faites, Jean nous fait. Donc, on a des moyens pour nous travailler. Ce n'est pas comme nous besoin pour nous fouiller dans la poche, nous avons besoin d'aide. Process of the aid, because it is adapted, it really is adapted to getting the money from the donors, because that's your criteria for success. Did I win the project? After that, there's so little follow-up, and even if the project miserably failed, even in cases where the money completely disappeared, there's very, very rarely any penalty. Failure is often the criteria for getting more money rather than the criteria for the project being cut. The NGOs are selling a service. A lot of people criticize, they're not doing what they said, they're not selling it, but they're selling a service. They sell it to the people who pay for it. And that service is to feel good. People pay for the money, they see these horrible problems, they give them the money, and then they think the problem is taken care of, and the NGO tells them it is. It's being taken care of, and they feel good. There's your service. Should foreign aid in Haiti be banned? I don't believe so. Foreign aid is an important part of this economy. Much of foreign aid, of course, as anyone who looks at foreign aid internationally understands, returns to the countries of its origins. But whatever slips away on the margins is important to the economy of this country. There are people eating in fancy restaurants here. Fancy restaurants not only have to have cooks and servers, they also have to have people take the garbage out. They also have to have people sweep up the street in front of their restaurant. No, foreign aid shouldn't be banned here, but that doesn't necessarily mean that foreign aid has done much good here. On a une situation où justement les acteurs haïtiens ont l'impression d'être totalement dépossédés.
d'être totalement exclus, d'être totalement écarté des espaces de décision. Et on a le sentiment d'être dans un processus de recolonisation qui ne dit pas son nom, dans un processus de tutelle qui s'affirme depuis quelque temps avec la mission des Nations Unies, mais qui depuis 2004 s'exprime très clairement avec la présence militaire de cette mission onusienne, la MINUSTA, et qui s'affirme également à travers des mécanismes politiques et institutionnels. La MINUSTA, par exemple, a abouti à un échec total. Non seulement c'est une force complètement inappropriée, puisque c'est une force qui relève du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc c'est une force qui se déploie quand il y a des situations de guerre civile, de génocide ou de crimes contre l'humanité. You got a bunch of people running around this country. What the hell are they doing here? Some Sri Lankan who, you know, who makes one-tenth of what he's making in the United Nations when he's a soldier in his own country, comes here, they rape Haitian women and they beat Haitian men? Don't rape them, for Christ's sake. And God knows, don't send your goddamn South Asian cholera here. So... in the end, you know, thank you very much, Blanc, pour votre assistance. Merci. Il y a tout un processus qui a été induit par l'aide alimentaire. L'aide alimentaire conduit souvent à la dépendance alimentaire. Et puis, il y a eu les changements en termes de politique commerciale. Le prix du riz américain, quand il arrive sur le marché haïtien, évidemment, c'est du dumping. C'est un prix qui est au-dessous des coûts de production réels du riz aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes passés d'autosuffisance en céréales à importer 82% de la consommation risicole annuelle des États-Unis. Alors que nous avons des capacités de production rizicole, on est dans une situation de sous-production très clairement. L'histoire du XXe siècle haïtien, c'est aussi comment ce système mis en place au XIXe siècle va subir des pressions énormes et qui vont justement créer des migrations vers les villes et beaucoup d'autres problèmes qu'on voit en Haïti aujourd'hui. On nous raconte toujours que les parcs industriels créent de l'emploi, alors qu'en fait, ils créent beaucoup de chômage. Donc, on a créé le parc industriel qui accueille 60 000 ouvriers, à peu près 50-60 000 ouvriers. Mais à côté, Cité Soleil, avec plus de 250 000 chômeurs, avec la situation déplorable que nous avons aujourd'hui à Port-au-Prince. Donc, on a désinvesti au niveau de l'agriculture, on a investi énormément au niveau des secteurs d'exportation, donc ce qui a créé un grand déséquilibre et une paupérisation des paysans qui n'ont pas eu le choix que d'abandonner leurs terres et de venir dans les bidonvilles de Port-au-Prince chercher un travail éventuel dans les factories de sous-traitance. D'où j'en viens, petit garçon, ça arrêtait pour moi. M'la, m'sa arrêté. Il dit, viens, ma petite, m'a dit, qui bon papa? M'a dit, tout calalou ou bien l'ascanote? Il dit, m'la scanote. Il dit, on sait le bagage, m'a dit, je dis, ça va pas aller. Puis il a voltigé tremblanté. Prochaine mine là, m'frémi.
me saute dans la rue là. Mien nous grand monde, il passait le prend moi, il dit me là, mien quelque bail pour me parler avant et puis n'a continuer marcher. La calme dans des coupes d'herbe, là, m'a regardé côté où l'eau ça a venir. L'homme garde ses volets, n'a volé comme ça. Me dit madame dans Kimbe, il dit dans ça il a me dit tremblant tête. Me dit mettre Kimbe le matin pour passer. Il dit quoi? Me dit oui pour passer. Kimbe il faut monter ça quand moi pour pas. Me dit mais si j'avais tout tourné là. Dans des pots dans mon là. Du fait, dans des pots là, du fait. L'homme garde moi c'est mon cabine blague sur moi et dit fait moi grené. Et puis payer ça. Il est pour moi bien aimé. Parce que m'pas dans le marché. Ça qu'a fait la femme connait. Et m'dormi, moi déboulou le qu'a passé en l'air comme ça et pour un petit coquille. Fait mimi 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 en balle. Tout ce monde a passé. Et ça, le signe de femme. We got an earthquake, you know, a huge, massive humanitarian crisis, people trapped in the rubble, you know, people screaming, people's children and family. It's a nightmare. It's that, you know, Armageddon sort of image that we all fear, you know. I mean, the city destroyed. Nobody's fault. There's nobody to fight. Nobody to last. All there is to help. Well, what do you do? I mean, what do you do? How do you figure out where the people are? Well, there's only one solution, man. You ask the locals. Instead of asking locals, we're walking around these sites with these dogs. Most rescue crews got here after what they call the golden 48 hours. It's when you most likely find anybody alive. And 2 weeks overseas television extravaganza of Haitians being pulled out of the rubble, you know, covered in dust, blinking, you know. One would have the impression that they were really doing a lot of saving. Monsieur, tu as travaillé au jeune Zoumo là, on est à travail là. Donc, où est-ce jeune Zoumo là? Jusqu'où il y a toujours des ossements qui là, en bataille. Et c'est au fur et à mesure qu'on travaille, nous avons jeune. C'est-à-dire, on n'a pas compris pour habiter, bien que nous-mêmes, pour qu'on ne fasse pas de bagages, parce que nous sommes obligés de retourner vers une côté de l'été, parce que c'est là nous gagnons. C'est là où nous été. Monsieur ça, c'est lui-même qui a râlé le cadavre en bas béton, en bas des comptes, qui a entré au risque de sa vie, au péril de sa vie. Qui a entré en bas béton, tout monsieur ça a été là. C'est donc après, qui ça qui fait pour eux? Rien du tout. It was clear that the government had overestimated the death count. Well, after the first or second week, the numbers are, you know, 150, the two, I think, after a month they were, I think it was about 3 weeks, they had them up to 200,000. So the interesting thing is that the NGOs and the international organizations, they all went quiet about the issue. Nobody challenged the government, even the press went quiet about the issue. Meantime, the numbers are going up, and the journalists and all the NGOs are repeating the government figures, which were 220, and they went up to 300. A year after earthquake, they upped them to 316,000. Clearly, they all have specialists in getting donations.
They all have specialists in explaining their work and the problem, and even the journalists. The first thing you want to do in those endeavors, in impressing or getting readership or getting money from donors, is to, you know, make the problem as extreme as possible. I had one of the highest ranking UN officials in the country tell me personally to my face that publishing those numbers, you know, writing that in those numbers is one of the meanest things a person could do. Wait a minute. Publishing the truth is one of the meanest things you could do? Well, what are we trying to hide? We're trying to hide, you know, what's this all about, you know? Is it okay? I mean, that's a good question. Is it okay to knowingly accept figures and republish figures that are 10 times what you know are the real figures? Is that okay? In the name of, okay, maybe it is. You know, maybe it is. But it's only okay if the money that you get to do it, you spend on helping the people you say you're going to help. Now, there's when things start to break down. Les Américains ont tenté à partir du début du XXe siècle de dominer l'ensemble des pays de l'Amérique centrale parce que pour eux, il fallait une allégeance de tous ces pays-là au système économique et politique impérial américain. Et donc l'occupation américaine que le pays a connue en 1915 est une occupation qui s'est faite précisément sous le prétexte que les Haïtiens étaient encore un peuple qui vivait dans la barbarie. The cult of the voodoo. That this strange cult can make the dead walk. That the power of voodoo can interchange the mind of woman. And U.S. occupation, a lot of people think it was some benevolent attempt to pick Haiti up because they, you know, the Germans were going to come in or because things were such a mess. When you look at what happened, there were some good things, but what happened is U.S. corporations moved in. They took over something like 50% of all arable land in Haiti. They took over the direction of the economy. They were making all decisions for 20 years. The same things happened over and over in different forms. Il faut se souvenir que, par exemple, le State Department, à cette époque-là, quand ils demandent l'information sur Haïti, ils vont demander à des banquiers et des personnes avec des compagnies en Haïti. Donc, les intérêts économiques américains jouent un rôle très, très important dans tout ça. Mais il y avait surtout chez les Américains une volonté de prouver que les Noirs ne pouvaient pas se diriger eux-mêmes, se gouverner eux-mêmes, et ils refondaient ainsi, ils rejustifiaient ainsi le racisme qui était encore dominant aux États-Unis. Voilà, donc il y avait ce que j'appelle un imaginaire de la barbarie qui était focalisé précisément sur le vaudou, que beaucoup d'Américains vont décrire comme un ensemble de pratiques de type cannibalique, sorcellaire ou diabolique. Vaudou sont écran sous lequel on projetait notre racisme de plus dégoûtant. C'est là que nous trouvons la preuve de notre racisme. Vaudou, c'est dangereux. Il y a des magies noires. Il y a des belles femmes qui dansent. Regardez-les, ils lèvent la radio. Ou bien ils prennent une tête poule dans la bouche. Et puis ils chirent. Ils sont excités et nous peur en tant que blanc.
Il y a beaucoup de discours qui proposent que le voodoo, c'est la raison pour le manque de développement en Haïti. Mais ça fait partie d'une vision qu'on retrouve en Haïti et aux États-Unis qui imagine que tout ce qui est en fait haïtien, quelque part, tout ce qui est un peu les traditions haïtiennes, c'est un frein. Je pense que c'est une façon. Il faut s'en sortir de cette façon de penser. D'abord parce que c'est impraticable de dire bon, ben, toute la culture haïtienne est un frein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en débarrasser demain ou. Enfin, mais deuxièmement parce que c'est faux. La tradition magique noire en Haïti, mais. Il est convenable pour nous, pour les étrangers, pour comprendre que c'est le danger des Noirs, c'est la magie noire, parce que ce racisme est toujours au fond de notre société. C'est comme ça que nous avons décidé d'organiser nos sociétés sur une base de racisme et d'exploitation. Il faut qu'on ait raison, il faut qu'on ait excuse. C'est parce que c'est dangereux. De toute façon, le vaudou se prête à des fantasmes aussi, hein, par sa manière même, dans sa constitution même. L'ensemble il est au démonté, loyaux rassemblés. L'ensemble il est au démonté, loyaux rassemblés. Même ça qui en bas de l'eau. Ou même ça qui en bas de l'eau. La zombification, c'est aussi tout un imaginaire, dans le fond, ce que j'appelle l'idéal du maître. Donc il y a des rumeurs que des Ougans ont la capacité de connaître des produits, des plantes en particulier, capables de mettre un individu à l'état léthargique. Et puis, à partir de là, on le croit mort, on l'enterre, puis on le reprend 2 ou 3 jours après, on le met dans un champ à travailler tout le reste du temps. Donc c'est un fantasme aussi, mais il peut y avoir quelques passages à l'acte. Il n'y a pas de zombies seulement, il y a un lugar où il y a un monde qui est transformé en bœuf, il y a un monde qui est transformé en chien, il y a un pile folklore en Haïti. Zombie, pour qu'ils soient plus puissants que les puissants, c'est parce qu'ils représentaient la perte de pouvoir personnel. Le fait que c'est ça qui sépare les Haïtiens des autres, c'est leur dignité. Là, ils font tourner un zombie, ils perdent tout ça. Pas qu'ils n'ont aucune volonté, ou pas un monde encore, ils sont zombies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont zombies, ils sont esclaves. Ce danger d'être zombifié, ce danger d'être remis dans un système d'esclavage a toujours hanté la culture et l'histoire haïtienne. Alors on voit que, par exemple, les histoires de zombies surgissent à des moments particuliers dans l'histoire d'Haïti. Au moment de l'occupation américaine, on commence à parler plus de zombies parce qu'on a peur, justement, de perdre l'autonomie. Et d'ailleurs, la naissance des zombies hollywoodiens, ça sort quelque part d'histoires que racontent les Haïtiens justement pour critiquer ce que font les Américains. Alors, il y a une ironie terrible, c'est que cette image du zombie va être transformée aux États-Unis dans une image qui va justement justifier, presque être un alibi de ce qu'on fait en Haïti pendant l'occupation. This is the battleground, one of the primary battlegrounds on Earth between Satan and God. And the zombies fit very well into that. Most religious and superstitious people in this country are the missionaries. They're just as religious and superstitious as the people who we think are, you know,
are anachronisms for believing in law and sorcery. The missionaries believe in it. A lot of these are educated people from the United States. They believe in it. They're here to combat it. And they believe it's satanic. Nous tous ces mondes, nous tous pas même. Vous comprenez? Tout le monde est volonté pâle. En dans vos doigts, nous dit que là même nous connaissons dans les balais des sans poêle. Ça veut dire tout le monde a une façon ou une pao, conduite pao. Même bien que pas. En dans Guinée, il y a des gens qui conduit à faire, je le connais. Mais tout le monde. Eh bien, ou pas cacher Guinée. De vous cacher Guinée, ou pas vilité tout. Il faut comprendre que les esclaves avaient été contraints d'adopter le christianisme, du moins de manière formelle. C'est-à-dire qu'il fallait baptiser les esclaves, il fallait montrer que. Et dans le fond, c'était pour les évangéliser, et que l'esclavage était considéré à ce moment-là comme un moyen de rachat, un moyen pédagogique pour faire que l'individu devienne un peu plus homme, comme s'il ne l'était pas tout à fait. Donc si vous voulez, partout où vous avez des esclaves, il y a eu un travail de reconstitution d'un système africain, mais réélaboré complètement en reprenant plusieurs éléments culturels venus des Européens, de France, de Portugal ou de l'Espagne. Voodoo is a religion that is grounded in the family and in history and in land. And it's about inheritance. It's about linking people from generation to generation to their past. And linking them to their future as well. Haitians link themselves to a past that existed before slavery, and they link themselves to a future that will exist after this misery is gone, and they imbue themselves with the power to become divine in real life. In real time, Haitians, the poorest and the most downtrodden of them all, transform themselves into God. Born with spirits, familial spirits. They come in your blood. And we learn it when we are infants. We dance it when we are children. And we recite it when we are adults. Cérémonie vaudou ne peut pas se tenir sans le tambour. Chaque rythme de tambour renvoie à un esprit particulier. Et donc il y a d'un côté le tambour, les rythmes du tambour, et en même temps
les vévés qui sont des signes par terre, qui correspondent à telle ou telle loi et qui sont là pour les appeler, pour les faire venir. Vévé, elle est toujours faite à l'intérieur, puis style. Parce que faut que je une sente là pour capable et râler tout esprit yo. Pour tout esprit qui va venir et puis pour ou même qui fait adoration pour capable bien concentrer et puis pour forcer à jaillir en haut. Le baba est menti lui-même. Il vient pour la vérité. Ou besoin de le bien. Avec l'autre respect. Le vini, il faut le printemps. Il gagne l'aile. Bon, il a besoin pour manger. Du temps, il va venir. Il va finir. Il va prendre l'aile. Il faut qu'il passe ça. C'est quoi dans la boule? Si chien te qu'on raconte mon rêve, il va pas marcher la nuit. That one placates the spirits in voodoo is that one gives one's corporality, you give your body to your gods because your gods are disembodied and they have been separated from you. They weren't brought from Africa, they're left in Africa. And you give them your body because what they want is also what you want. They want to enjoy. They lend the gods their bodies. It's their biggest sacrifice. It's exhausting. It's hard work. It's exalting as well. But the biggest sacrifice a Haitian makes is not a bull.
or a goat, they give themselves up to their own gods so that their gods can enjoy what is the most enjoyable. What is it? Creativity and sensuality. So, you know, to become a god when most of the world is telling you that you're an animal, that's a pretty neat trick. No, pas de belle déclaration. L'autre dépassé, non. Pas de savoir d'où. Mais c'est plante. Ou pas qu'à retirer. Ou à détruire pays à net. Faut tatouer, détruire pays à net pour parler d'indépendance. Haïti pas qu'à reconstruire. Pour gagner Haïti demain, c'est à cause de vaudouisants, c'est à cause de esprit nous. Parce que moi, je crois que si on entre dans un caille Haïti, maison, ça a 10 personnes qui ont servi là dans la maison, on a besoin de qui pas vaudou. Après ça, tout neuf là, c'est vaudouisant. Dans la construction du Fonds national, la table gagne. Nous avons arrivé pour gagner 3, 4, 5. Oui. Et espace pour que nous soyons capables de faire vos doux, j'en voulais à l'aise, sans que les gens, bon, ici, n'ont pas dit que c'est déjà bien. C'est mystification. Moi, j'aime mes vodou en pile. Moi, toujours, aller dans ce vodou. Tout le monde ici raconte ça la première fois. Parce que je dis toujours, dit pas bon, mais moi, j'aime toujours aller là-dedans. Bien que parents, c'est catholique, je n'ai pas appuyé ça du tout. Parce que c'est diable. Moi, j'aime en pile connaissance sur vodou. Je ne connais pas diable. Je connais ses cultures, nous. C'est code lombrique nous lié. C'est ça qui fait moi maintenant pile. Mais mon boy ici aussi mon l'église yo. Pour yo même yo pense ou pas à l'école ou pas éduquer ou pas instruit et pourtant. Parce que les n'a regardé monsieur Paul qui c'est un prêtre qui c'est principal prêtre vodoun gen là. C'est une référence morale qu'il a. En Haïti gon bagaille, yo vle diaboliser moun ki gon gan yo. Les autant de moun c'est un gan li yo diabon c'est louga ou. Moun ka pas comprendre ça que vodou. Parce que vodou, quel que soit le type de monde depuis ça ici est lié, ou bat tambou, ou mettre le chita bien silence, il y a un bagage qui passe à travers. Et pour premier monde qui a un bon conseil pour nous bien, c'est M. Paul. Et c'est M. Paul qui a goumé là dans ce secteur là pour remettre nous en vie. Moi-même, il a même fait là. C'est une référence morale. Donc qui dit, il y a un monde qui dit que nous prêtons toujours. Ouais, nous même là, non mais bon, il peut former là, si m'a prend mon tour, mon bar. Donc, il y a un monde qui dit un prêtre vaudou, c'est un monde qui diable, qui méchant, qui a fait méchanceté. Donc, c'est ça, moi, nous pas qu'à dire ça. Donc, ça, c'est un exemple. Nous avons un exemple. Nous avons un exemple. Chérie.
Ça qui dit aussi adversaire, vaudouisant pas dire adversaire. Parce que nous aimons tout le monde, nous aidons tout le monde. Tout ça qui sort dans vaudouan, il sort dans feuille. Parce que nous même vaudouisant, nous sortons dans racine. Quel que soit problème, nous avons gagné. Quel que soit maladie qui représente devant nous, nous prenons dans le grand bois, nous prenons chercher feuille. Nous connaissons quel type de feuille qui est bon pour telle maladie. C'est ça fait nous gagne cousin Zaka qui dit non puis gagne nous déboiser. Dans la cérémonie, puis d'un côté, on a passé, la cérémonie a sorti, et puis on a passé en bas, on a pied mapou. Et puis on a dit, une bonne bête qui a brûlé en bas, pied mapou. Et me dit, quoi, maman, galon beauté, c'est comme si son orchestre qui a brûlé. La musique parle. Alors, tout oiseau, ça va brûler, mais il était sous pied mapou. Et puis, tout le monde me dit, un. Bah, ça m'a négligé le fond de recommencer. Puis depuis là, j'ai eu des graines de ma poule. Et puis j'ai demandé sur la radio, j'ai demandé sur Facebook, des amis, on a sauvé pied ma poule ça. Ma poule sont gros pieds bois. Et vous avez dit, là, en Afrique, vous parlez de baobab. Je repose là, côté que. Réunion qu'a fait. Or, si nous avons réussi à planter 150 000 ou 200 000, ou bien dans la reconstruction, nous avons mis un petit cobre dans la ma poule, dans la masse de ma poule, faire plantule, planter, eh bien, nous avons un environnement dans 20 ans qui est meilleur. Nous avons fait bois sac, t'as qu'à mettre contre l'érosion par le vent, j'aimerais dire l'air. Nous ne voulons pas planter. Nous disons, ah, ce bois, eh ben, satanique. Eh, notre tête, pas nous. Nous, elle s'attend de tous côtés. Pied bois, pas de graines, pas de personne qui dit. Gardez pied là-bas, pied véritable là. Il n'y a pas de graines là-dedans, gardez si vous avez voulu, gardez. Et bon, son plat pour bagarre manger. On peut manger quand il va gagner là, personne va peut-être garder. Depuis qu'il y a une graine, il a peut-être garder. Et bon, son plat. On met Kimbe là. Il y a des plantes de bananes, plantes de maïs, plantes de maïs, puis tu mets. Et qu'il dit nous. Pour même. Oui. L'homme fait là, qui me ça. Pour manger. Faut que je mange dans la tête. Le grand goût. Et bataille, ça me gagne bataille. C'est une, non, une. L'eau va manger pour contre lui. Il faut le manger à mon. Comme ça veut dire, et qu'on a la chante. Longtemps, longtemps pas me vivre là. Nous t'ai gagné ma tante. Moi, ça saute là, l'alcassa, ça saute pas, ça saute là, l'alcassa, ça saute là, l'alcassa. Ça, c'est qu'on salte. Et comme ça. Non, ça finit. Pas bien, pas ça encore. L'agriculture haïtienne est très complexe et souvent justement il y a beaucoup de niveaux de production. Alors niveau de production pour consommation dans le lacou. Alors le lacou haïtien, ça,
c'est une cour, quelque part, c'est une façon d'organiser l'agriculture et aussi la vie de famille et la vie culturelle. C'est assez intéressant parce que c'est à la fois des droits individuels, c'est-à-dire les personnes, une personne dans la famille qui a un petit terrain, mais en relation avec d'autres personnes. Et donc, tout ensemble, ils ont une certaine, un pouvoir et puis une solidarité autour de ces terres. It was a colony with a lot of slaves. It was a high density, high number of, when they got their independence early on, and the plantations were divided up. And that's a process that continues to this day. This fragmentation of the land into small holdings and the peasant agriculture. In the Dominican Republic and in Cuba and in Puerto Rico, where you had less population, more land, and you also didn't have the same independence movements early on, you had the survival of huge tracts of land. Bon, il y a une partie de la culture haïtienne et de la politique haïtienne qui a toujours peur du retour de la plantation, avec une certaine justification. Je dirais depuis 200 ans, il y a toujours eu des personnes qui ont dit aux Haïtiens que seule la plantation peut finalement être le fondement d'une économie haïtienne. Et je pense que là, comme dans beaucoup d'autres domaines de la société haïtienne, ce désir d'autonomie est capital. This country hasn't suffered from hurricanes and earthquakes and poverty. This country has suffered from history. It was created as a tragedy. It was built as a tragedy. Years ago, piece by piece, body by body, slave by slave. For what? To get rich. Yes, the French created Haiti. It didn't exist before that. There were no Haitians. What is a Haitian? Haitian is a descendant of slaves that were brought here by the French. And there's like a little T-cross, and you have to say it because it's important. There's a little bit left over from the Indians, from their aboriginal population. We need to esteem it because it's important to remember that 1 million people were exterminated here before 1 million other people were brought in as slaves. This little piece of this island, thanks to the French, was the apotheosis of the slave system in the New World. This was the pinnacle of slavery. It was the most efficient producer of money for Europe and the most efficient accaparer, the most efficient, the most voracious eater of people, of human beings that ever existed in the world. It's comparable to the Holocaust. A healthy 18-year-old male African who landed in Saint-Domingue in 1750 had a life expectancy of 4.5 years. Because the purpose of the system was to work him to death. And then bring in another one. Then another, and another, and another. We created Haiti. The Haitians, you know, will have nuances with you because they are properly proud of their country and of everything they accomplished after you made them. This is our product. And are we making another one now? Stop and think. The production of sugar financed the Industrial Revolution. So Haiti made Marseille, Haiti made Nantes.
Jamaica made Birmingham, and they hopped from island to island over three centuries, and they made the capital that was required to create the modern world by eating people. And then we come back 200 years later and we say, why are you so fucked up? What's wrong with you? Why can't you let us help you? What? You're back? Nous avons coutume nous tous parce que nous avons fait une cérémonie qui a accouché presque à l'indépendance. Nous avons toujours adapté avec la culture à nous tous. Ça existe là-dedans. La cérémonie de Bakaïma, nous avons gardé Père Boukman, nous avons gardé tout ça qu'il a fait juste pour interpeller Dieu par nous pour venir au moins libérer nous dans l'esclavage. Ça, tant que vous faire histoire, penser avec ça, après vos droits ont une place dans la société. Nous ne pas ignorer. Pour moi, la cérémonie du bois caïman, c'est à la fois c'était quand même un événement, mais c'est un événement qui est devenu un événement mythique, hein, sur lequel on a projeté beaucoup de choses. Mais je pense que l'événement peut servir de symbole d'un processus, qui était le processus de la rencontre entre divers peuples africains, avec une situation qui était celle de l'esclavage, de la plantation, et le fait qu'ils ont réussi à s'unifier, à créer une certaine unification, à créer une forme qui était la forme du voodoo, à travers lequel ils pouvaient exprimer leurs désirs, et à la fois aussi une forme politique, c'est-à-dire l'organisation d'une révolte. Donc le fait que la religion et la politique se sont mis ensemble à ce moment-là, c'est une des raisons justement que ça reste si important. Mais je pense que là, il y a une certaine... On a parlé des réussites d'Haïti. Alors, une réussite très simple, c'était la création de cette culture à travers, dans des contextes d'exil, à travers une complexité culturelle africaine et européenne énorme, et la création de cette culture qu'on aime tant, qui est une culture quand même magnifique, artistique, littéraire, musicale. Donc là aussi, ça, c'est un don qu'on reçoit de cette époque révolutionnaire. Si on a des visions ou des principes de démocratie, on est tous quelque part héritiers de la révolution haïtienne. Le moment le plus radical, c'est-à-dire les avances les plus importantes pendant l'époque de la révolution française, sont en fait en Haïti. Parce que c'est en Haïti qu'on réussit à dire véritablement tout le monde est libre, tout le monde a des droits, et qu'on met en place, parce que c'est là qu'on abolit l'esclavage. On a fait une grande conspiration du silence contre cette révolution qui jusqu'à présent n'est pas très connue quand on parle d'Haïti, même dans les grandes encyclopédies françaises. Quand on parle d'abolition de l'esclavage, on vous parle de 1848. On ne parle pas tellement de 1791, 1793. Donc il y a eu effectivement une conspiration du silence et malheureusement aujourd'hui, on ne connaît pas l'histoire d'Haïti, on ne connaît pas l'héritage très important de cette révolution et son apport décisif dans les processus de libération au niveau du continent. When this country asserted itself, the rest of the world surrounded it like a cancer because it was the greatest threat to the world system that this world system has ever known. In 1804, these people said, "This is unacceptable. We will not tolerate it. We have freed ourselves by our own hands. Everyone else, follow us." And every master on every plantation in every country in this hemisphere, and all the owners and the people who made the money in the mother countries, all slept with nightmares for years.
because the threat was that actually other countries would follow, other colonies would follow. On a essayé d'annuler les conséquences de la grande révolution de 1804 en réinsérant le pays au marché mondial par la violence de la dette. Et donc, nous connaissons tous l'histoire de la dette de l'indépendance qui a été signée avec le royaume français et dans lequel Haïti acceptait de payer pour son indépendance des sommes considérables. Et à qui on payait? On payait aux anciens propriétaires d'esclaves et de plantations, pas, qui réclamaient avoir perdu leurs esclaves et leur terre et leurs plantations en Haïti. Donc ça, c'est quand même très gros. Et en plus, je dois souligner un paradoxe, c'est qu'à l'époque, quand il y avait une guerre, en général, c'est le vaincu qui payait. Hein? Alors que nous avons gagné la guerre et nous avons payé. Non, c'est énorme. Donc, et en plus, on peut, si on regarde par exemple l'histoire économique de ce pays, on se rend compte que les flux de services de la dette ont représenté certaines années jusqu'à 60-65% des revenus de l'État. Ça veut dire que c'est un État qui fonctionnait finalement pour payer la dette. Hein. Donc on avait à peu près 60-65% de versements à la France. On avait 20% pour payer l'armée, les chefs de l'armée, et puis il restait absolument rien pour l'éducation, la santé, etc. Donc là, on peut comprendre effectivement que c'est une situation qui a hypothéqué le développement national et qui a empêché à l'État de se structurer institutionnellement et de répondre aux besoins de la population. Imagine what the world would be like if Jamaica had revolted 10 years after Haiti. And Barbados. And the southern United States, and Brazil. Most of us would not be here because the world as we know it would not exist. It would be different. And I dare to say it would be both more sane and more beautiful. And I know from my experience here that it would be more human. En fait, on doit réinventer la vie à partir de nouveaux modèles, de nouvelles relations et de nouvelles valeurs, des valeurs qui tiennent compte de choses très simples, comme par exemple la défense de la vie, de choses très simples comme la défense de la justice. Donc, on ne peut pas copier des modèles tout faits. Hein, il faut inventer. Chaque peuple doit inventer son propre itinéraire et ne doit pas céder à la reproduction des dogmes dominants. But I think as big a mistake as it is to come in here and say, oh, we're going to, you know, what they think from the outside, they'd say, oh, we're going to come in and do it the American way, or we're going to do it the French way, or we're going to do it the way we did it in, you know, Guyana, or we did it in Nicaragua, or whatever the idea is. I think, again, that we have to, all of us, recognize that a culture that stays static will die. And our biggest job is to not get in its way. It's not for us to determine the momentum and the directions that it goes. It just has to move. So we're here to hopefully to provide velocity.
they can completely stop the rotation of this wheel. And the earthquake won't have hurt that. It will have helped that. And then get it on its proper axis and get it going. And this place can be a lesson to the rest of the world. Parce que nous aimons mon. Loi dit qu'on s'allait même mon côté. Moi, pas ici alors. Maman dit, moi, même mon côté. Tout côté ne passe, c'est mon les lois c'est des voix nous content que mon côté. Les même mon côté. Thank you.